les majorettes en restitution Notre-Dame. Mais j'aurais bien aimé avoir quand même des infos sur les uniformes militaires, parce que le chapeau, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, la casquette, et tout ce qu'ils ont comme atout, ça veut dire quoi justement? Vous savez, on appelle ça tenue de cérémonie. Une cérémonie, ça demande quoi? Ça demande de la beauté, la solennité. Sans pour autant verser dans une certaine exagération, il faudrait quand même que les gens soient parés de leurs meilleurs atouts. Donc c'est pour cela que les gens ont imaginé certains accessoires qui peuvent rendre la tenue encore plus belle. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le doing business, par exemple, quand on le fait, c'est par rapport à l'environnement des affaires. La facilité pour un investisseur de pouvoir rapidement pouvoir monter son affaire. Bien sûr. Mais c'est également l'environnement sécuritaire qui joue un rôle très important, qui permet aux investisseurs de venir investir, mais également aux touristes de venir visiter le pays. Visiter le pays. Et découvrir en même temps, hein, c'est pas les majorettes de l'institution Notre-Dame, créée en le 8 décembre justement. 1937 par la Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception. L'école est présentement dirigée par la sœur Geneviève Kouni Mandjouba. Regardez ces filles sénégalaises avec leur élégance légendaire, Louis-Philippe Tania. Bien sûr, elles sont voilà. Toutes jeunes, mais on a l'impression qu'on a affaire à de grandes dames, parce que dès qu'elles apparaissent, tout le monde se plie à leur charme qu'elles déclinent à travers leur plat de danse. En tout cas, le choix est très sélectif puisqu'on prend déjà les meilleurs, ça il faut le reconnaître. Et aussi les voici hein, qui se ressemblent en un seul corps. Et tout à l'heure, normalement, elles doivent former un T comme un tronc pour symboliser l'unité nationale. Ensuite, en brandissant des bandelettes de soie aux couleurs du drapeau national, elles vont former des V pour montrer que tout citoyen a des valeurs. Ces V sont soulignés par les lettres Y, la lettre Y, qui n'est rien d'autre que la première lettre d'une série de mots utilisés dans l'éducation des futurs citoyens sénégalais. Ces mots sont YAR, qui veut dire éduquer, YED, conseiller, YEG, considérer, respecter, YIR, protéger, YE, éveiller, YOR, entretenir, subvenir à ses besoins, YEMALE, encadrer, mettre au même pied d'égalité. Donc dans un instant, ce sont ces différents plateaux qu'elles vont afficher ici. Nous verrons progressivement, puisque vous savez, ce sont ces majorettes qui vont ouvrir justement le défilé civil. Et donc, et après ces majorettes, à la fin du défilé civil, nous aurons les majorettes du lycée Kennedy. Voilà, nous devons savoir du Nubi à cœur. Instrument, tradition et ligne, amateur accompagné, majorité.
Thank you.
Cher li rafetna machallah so xolé couleuru xalé yi ak tapis rouge bi dalay fatili drapeau sénégal vert jaune rouge vraiment les majorettes de notre dame gatcha galama bravo les filles avec un effectif de 60 jeunes filles qui nous ont proposé en tableau le format d'une étoile avec ce slogan dont parlait Louis-Philippe Sagnin. Hier, hier.